Une fois de plus, Édith Piaf est revenue. Elle le répétait comme un refrain. Ce n'est pas pour cette fois. N'ayez pas peur, ce n'est pas pour cette fois. Et chaque fois, elle s'en est tirée. On appelle cela le sixième puis le septième miracle d'Édith Piaf. Il y en aura encore sûrement bien d'autres. Édith est revenue de sa tournée suicide. C'est à Dreux qu'elle s'écroula. Les gens qui étaient dans la salle n'oublieront jamais cette soirée. Elle chanta ses 14 chansons puis donna l'impression de se tenir sur le pont d'un bateau ivre. Elle tenta de se retenir au piano, au micro, au rideau, chancela et tomba. Après, ce fut la voiture qui l'emmena dans la nuit, la clinique, une piqûre, le sommeil et le miracle. Édith va tout à fait bien, elle vous donne elle-même son bulletin de santé qui est en même temps un communiqué de victoire. Chers amis, je suis heureuse de vous parler car vous me manquez beaucoup. J'ai voulu livrer un match contre mes forces et je l'ai momentanément perdu. J'ai dû m'incliner, écouter mes amis qui m'ont obligé à me reposer, alors que je ne songeais qu'à chanter « La chanson, c'est ma vie » et je suis forcée de me taire. Mais vos messages d'amitié me parviennent nombreux et m'aident à supporter mon épreuve. Soyez sans crainte, je reviendrai bientôt, complètement remise à neuf, avec toutes mes forces, tout mon enthousiasme. Je reviendrai pour vous et je serai au rendez-vous que je vous ai fixé à l'Olympia. Je sais que vous y serez aussi, et la joie de vous y retrouver me donne bien du courage. À bientôt donc, et bonne année. Édith tiendra sa promesse. Elle sera au rendez-vous de l'Olympia. Sa robe noire flottera un peu plus sur ses épaules amaigries, mais c'est le seul souvenir qui nous restera de la grande peur qu'elle nous a faite. Elle chantera à nouveau les chansons de Marguerite Monod. Marguerite Monod, qui est un peu Édith Piaf et qui la connaît si bien. Pour moi, Piaf, c'est avant tout... Cette chose merveilleuse, c'est un être totalement libre. Et puis, chez elle, il y a le refus complet de la médiocrité. Que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans l'art, enfin, elle est la médiocrité et elle le fait bien voir. Il faut aussi un grand courage pour être entièrement libre. Et elle est extraordinairement courageuse. Enfin, je l'admire pour tout ça et ça me fait l'aimer davantage. Comment Édith construit-elle avec vous une chanson d'amour? Qu'exige-t-elle et que refuse-t-elle dans ses chansons? Eh bien, elle ne veut à aucun prix chanter l'amour sur le mode ironique, parce que elle y croit, et que pour elle, l'amour, ça doit être totalement sincère, totalement vrai. Et elle dit, très justement, qu'on ne peut pas être une grande vedette si on ne chante pas l'amour, si on ironise sur l'amour. Le public aime entendre chanter l'amour, l'amour sincère, l'amour vrai, ce qu'il a dans le secret de son cœur. Et quelquefois qu'il n'ose pas avouer, mais enfin, il aime l'entendre. Comme elle le dit elle-même, il y a beaucoup d'amour dans le cœur des hommes. Elle a été très aimée, parce qu'elle a un potentiel de charme extraordinaire, qui attire et retient les hommes, et ça se comprend très bien. Mais comme elle est d'une lucidité assez effrayante, si elle se trouve pas devant un amour d'une authenticité totale, eh bien, ça peut pas durer longtemps, c'est tout. Il y a une chanson qui pour elle sublime l'amour, c'est hymne à l'amour, vraiment, qui avait été prophétique, malheureusement, et qu'elle ne peut pas chanter, certainement, sans avoir toujours dans le cœur, ce grand sentiment qu'elle a eu pour Marcel Cerdan, qu'elle a toujours. Pour ce grand retour que nous attendons tous, avez-vous préparé avec elle de nouvelles chansons? Eh bien, à l'Olympia, elle aura beaucoup de chansons nouvelles, dont quelques-unes de moi. Il y en a une, entre autres, une grande chanson d'amour dont elle a écrit le très beau texte, qui s'appelle « C'est l'amour ». Je vais vous en donner la primeur au piano. Thank you.
elle chantera aussi, bien entendu.